Bienvenue, on est ici à la boutique Mom à Angers. C'est une boutique éco-responsable qui est dédiée à bébé, à maman et à la parentalité. Donc ici, on va proposer des produits plutôt sains pour bébé et sa famille, mais aussi pour la planète. Donc c'est un lieu qui est vraiment unique à Angers et qu'on a créé parce qu'en devenant maman, on a trouvé qu'il manquait ce type d'endroit ici. On propose notamment des couches lavables, du portage, des produits des marques françaises, des créateurs locaux qui viennent de la région angevine. On a des produits qui vont être sur des matières naturelles, donc du bois, du caoutchouc, du coton bio dans l'idéal. Donc on propose également des vêtements d'occasion et des vêtements évolutifs. L'idée c'était d'essayer de ne pas surconsommer, d'être dans cette idée d'éco-responsabilité. Et on est également attaché à tout ce qui tourne autour de la parentalité positive. C'est pour ça qu'on propose aussi des ateliers autour de l'enfant et qu'on a également une partie librairie avec des ouvrages sur ces thèmes. Ça, par exemple, c'est le coup de cœur de nos parents. C'est une petite combinaison qui est fabriquée dans le Maine-et-Loire. En retroussant complètement, on est en taille 3 mois et en dépliant complètement, on est en taille 12 mois. La boutique Mom, c'est le développement de Popopidou que j'ai créé en 2019 et qui propose à l'origine un service de location de couches lavables. C'est issu de mon expérience personnelle. J'ai utilisé les couches lavables sans accompagnement, ça a été un petit peu compliqué. Et du coup, j'ai décidé d'accompagner les jeunes parents qu'il faut laisser lancer pour que ça se passe bien pour eux. Ça passe par de la location de couches lavables pour qu'ils puissent essayer et aussi évidemment par tout l'accompagnement qu'il y a autour. J'ai rencontré Lucie en 2020 et ensemble, on a décidé de créer la boutique Mom. Pour coller à nos valeurs, on a choisi des financements éthiques et on a notamment lancé un financement participatif qui a fonctionné et qui nous a permis de financer le mobilier créé par un ébéniste local à partir uniquement de matériaux de réemploi. On souhaitait que ça soit un espace accueillant pour les parents, un petit cocon dans lequel ils puissent venir allaiter bébé ou changer ou donner un biberon et du coup on a créé un petit espace pour qu'ils puissent venir s'installer. Depuis l'ouverture, on a vu des parents très enthousiastes venir à la boutique. On sent que c'était un lieu que les parents attendaient. Et du coup, ça nous fait vraiment plaisir et ça nous touche après tous ces mois de travail de voir que le concept plaît.